commencé la musique assez jeune finalement, car ma mère était professeure de musique. Et à la maison même, elle faisait des petits cours de musique, donc on était très éveillés à tout ce qui était rythme, chanson, comptine. Donc la musique était très présente à la maison. Et puis je fais un petit peu de flûte à bec, mais à l'âge de 11 ans, j'ai découvert la flûte traversière un petit peu par hasard en fait, car j'ai rencontré le professeur de flûte de la ville où j'habitais et j'ai fait un essai. Quand on débute la flûte, en fait, on débute juste avec l'embouchure. On nous met l'embouchure ici et puis bah, le son est sorti tout de suite et elle m'a dit « Ok, je te prends ». Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. J'étais étudiante donc à l'école de musique de Hyères, dans l'Essonne. Puis je suis allée un peu à Bâle, où je faisais les allers-retours une fois par semaine pour aller voir un grand professeur. Puis je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on fait de la flûte vraiment toute la journée. Enfin, moi, j'étais très, très assidue et travailleuse. Et je voulais vraiment arriver à jouer le mieux possible. Donc là, c'était aussi une période de concours. Mon rêve était de rentrer dans un orchestre. Donc j'ai commencé à faire des concours d'orchestre et c'est là qu'en 1998, j'ai obtenu le poste à l'orchestre de Rotterdam, où je suis encore aujourd'hui. Donc je suis à l'orchestre de Rotterdam. Mais je bouge aussi beaucoup pour d'autres concerts qui sont en soliste, en sonate avec piano, avec mon amie Hélène Couvert, ou en musique de chambre, comme ici, à la Folle Journée de Nantes, ou en soliste avec orchestre. Donc ce qui est passionnant dans ce métier, c'est justement toute cette diversité d'activités. Donc de pouvoir passer de l'orchestre à la sonate, à la musique de chambre, c'est vraiment merveilleux. Alors cette flûte, qui est une flûte Pearl, que j'aime beaucoup, l'histoire est assez intéressante, vu que je me suis fait voler ma flûte dans le train. Ça a été un choc énorme, donc il faut vraiment faire attention à ses affaires. Et là, ça a été vraiment une grande détresse. Et j'ai la chance de connaître les gens de Pearl Europe en Hollande, qui, quelques jours après le vol de ma flûte, sont arrivés chez moi avec 5 flûtes, en disant « Voilà, voilà des flûtes, on vous les prête, prenez votre temps et on serait heureux de pouvoir vous aider. » Alors ça, vraiment, déjà, c'était... Tout le monde ne fait pas ça. Donc j'étais déjà très touchée, et puis de toute façon, il me fallait une flûte pour faire mes concerts. Enfin, donc là, j'ai un petit peu essayé les différentes flûtes, et tout de suite, j'ai été attirée par celle-ci, sans savoir trop pourquoi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me penche sur comment c'est construit, quel matériau. A priori, ça ne m'intéressait pas trop, mais là, du coup, j'ai dû me pencher sur la question. Donc, c'est une flûte en or 18 carats. Le tube est en or 18 carats, les clés sont en argent. Et moi, auparavant, je jouais une flûte 14 carats, et en fait, la différence, je ne savais pas, est réelle. Le 18 carats, c'est plus riche, et aussi, ça projette plus dans la salle. Les collègues m'ont dit « Waouh, c'est une flûte qui vraiment va plus loin, on t'entend mieux dans la salle ». Donc c'est vrai que c'est une qualité. Et puis dans tous les registres, c'est très facile d'émission, très agréable. Enfin c'est une flûte, alors j'ai mis du temps à m'habituer. Et là encore, merci Pearl Europe qui a attendu des mois, je dois vraiment le dire. Alors, je disais « Écoutez, je ne sais pas, j'arrive pas à me décider, je ne suis pas encore habituée. Certaines notes, je n'arrivais pas à les faire sonner. » Il a fallu accepter aussi de faire le deuil de l'autre. Et finalement, je me suis dit « Bon, bah, je vais arrêter de chercher des poux dans les cheveux de cette flûte, elle me plaît. » Donc voilà, le grand saut était fait. J'ai fait plusieurs enregistrements, plusieurs disques. Le dernier est sorti en 2011, il s'appelle Impression française, donc c'est un disque dédié à la musique française, avec notamment la fameuse sonate de Poulenc, qui est adorée de tous les flûtistes et de beaucoup de mélomanes. Donc un disque que j'ai fait avec Hélène Couvert au piano et Arnaud Torette à l'alto, Christine Icard à la harpe, pour un trio de Debussy absolument magnifique. Donc ce disque est sorti
en 2011 et je prépare mon prochain disque qui sera Beethoven-Schubert et qui sortira au mois de septembre pour Naïve.